Le nouveau mécanisme de fixation du prix du coton graine expliqué aux acteurs de la filière au cours d'un atelier. Initié par le conseil coton en ACAD, cet atelier vise à renforcer les capacités des acteurs de la filière coton sur les questions liées au marché du coton et aussi à les former à l'application pratique du nouveau mécanisme de prix proposé par les conclusions des études commanditées par le conseil coton en ACAD. Le mécanisme de fixation des prix du coton va dépendre donc du prix de la fibre sur le marché mondial. Et la nouveauté, on va prendre comme indice le prix du marché à terme de New York. Avant, on avait un indice qui était l'indice A, qui était au jour le jour. Maintenant, on a un indice qui permet de vendre du coton, disons, à décembre 2017, à mars 2018, etc. In fine, l'objectif, c'est une bonne répartition des revenus de la filière sur toute la chaîne de valeur, surtout respecter le principe directeur indiqué par le président de la République qui est de livrer au moins 60% du prix CAF de nos produits aux producteurs. Le nouveau mécanisme vient en remplacement du mécanisme COWI appliqué à ce jour. Les acteurs de la filière saluent cet atelier qui leur permet de s'imprégner du mode de fixation des prix trop souvent à l'origine de beaucoup de discussions. Depuis 3 ans, nous fonctionnons avec un mécanisme hybride et qui suscite beaucoup d'arguments et notamment et ce qui explique aussi d'ailleurs pourquoi depuis 2 ans les prix sont annoncés très tardivement, ce qui n'est pas très logique puisque les prix devraient être annoncés normalement avant les semis. Au moment du calcul du coton, parfois on est vraiment, chaque famille est vraiment tendue parce que chacun veut tirer le meilleur profit vers lui. Et donc, si on a un outil qui nous permet d'éviter le maximum de discussions, qui nous permet de nous accorder sur ce qui est réel et qui tient compte réellement des réalités du marché international, je pense que ça serait plus intéressant pour toutes les familles. À l'issue de cet atelier, il sera mis en place un fonds dénommé fonds lissage qui va permettre de stabiliser les coûts en cas de variation importante du prix du coton graine sur le marché mondial. Les prévisions de production au niveau national pour la campagne 2016-2017 sont estimées entre 300 000 et 350 000 tonnes.